Yo les potes, donc on se retrouve pour cette partie qui va nous amener à mi-saison vu qu'on est à la 18ème journée et que la mi-saison est à la 23ème, donc on va quasiment arriver à mi-saison. Ça du coup on va pouvoir faire un premier état de vous tous qui a, comment dire, qui a répondu aux attentes, qui a déçu. On va voir tout ça. Et on verra aussi où on en est niveau classement. Si on... C'est vrai que les playoffs ça pourrait être marrant à jouer aussi, même si bon, ce serait plus cancer parce que c'est-à-dire qu'on a pas fait de premier, bon ça pourrait être marrant. Alors, hop, hop, hop. Je veux un gros match. Marvin a paru heureux, bah il t'en faut peu Marvin. Allez, c'est parti pour ce match à Wolverhampton. Normalement, le problème du son devrait être réglé. Là, j'ai fait des tests. Vous aurez quasiment pas le son, peut-être un tout petit bruit, mais au moins vous entendrez ma voix. Avec Kha'Nix, le ballon long, ça revient encore sur Kha'Nix qui dévie de la tête. Boschilia qui est contré. Deuxième chance pour Boschilia. Lee, magnifique ouverture. Sur Haïdara qui dévie de la tête. C'était pas top ça. La contre-attaque, Kouadi. Magnifique interception de Grady, le remplaçant en défense, qui est plus connu pour ses talents de buteur que défenseur. Pour le moment, il nous a mis 3 buts, mais défensivement, c'est une catastrophe, je trouve. Hop, il y a du billard. Allez, Lee, pose-moi le jeu. Ah, boula, Kha'Nix. Kha'Nix qui remonte la balle. C'est bien, ça, il temporise. Pour Bastien, Bastien qui a peut-être vu Paul. Non, Bastien qui continue d'avancer. Si, il la donne à Paul. Paul qui laisse passer la balle, ça revient sur Bastien. Frappe de Bastien! L'ouverture du score! Signé Bastien Voula, qui marque son 10e but de la saison! Il a été critiqué, Bastien qui réagit avec l'ouverture du score ici à Wolverhampton. Et Paul, tu n'as pas d'assist. Le corner pour Kha'Nix. Kha'Nix qui brosse son corner, ça revient vers Kieran Lee. Kieran Lee qui temporise, il a pas de solution là, il va peut-être devoir jouer en arrière. Attention à pas perdre la balle. Attention à pas perdre la balle, Cavalero! La contre-attaque! Dico, Momo Dico, récupération de Lee, bien joué ça Lee. Walker Peter, qui j'espère va pas prendre de rouge parce qu'il a déjà un jaune à 13ème minute. Il tente d'ouvrir en profondeur mais c'est mal fait. C'est plus un joueur de côté Kyle Walker. C'est pas trop un joueur pour ce style d'action. Ou Cavalero qui a déposé Haidara. Cavalero qui accélère. Le centre de Cavalero, la frappe d'Eldar Costa, ça revient. Se dégager. Quelle belle défense. Des joueurs d'ici United. Toujours un but à zéro après 26 minutes de jeu. Il y a Fulham, on voit qu'ils gagnent 2-0 à Brighton alors qu'on les a explosés chez eux. On est vraiment trop chaud. Peut-être une dernière action à la mi-temps. Lee. Occupation. Thomas Price. Cavalero. Qui décale. Momodiko. Momodiko. Il accélère Momodiko. Il frappe! Ça passe au-dessus pour Momodiko. Et on va arriver à la mi-temps de ce match. 1-0 pour East United. Pas beaucoup d'occasions, c'est plutôt tranquille, mais bon, on va dire de ne pas se relâcher parce que c'est pas un match facile là. 58ème minute avec la balle récupérée par Lee. Par contre, on perd beaucoup de ballons sur des relances hasardeuses comme ça commence à m'énerver. Faut que les joueurs se calment. Voilà, calmez-vous. Attention avec Boozerson, Texera, la frappe de Texera et l'arrêt Westwood. Attention à pas concéder trop d'occasions, ça va finir par rentrer, même si Westwood fait son match. Le corner de Kha'Nix, ça revient, Boschilia, pour Binks, c'est contré, et le deuxième but d'ici United, c'est Marvin, bing! Le tigre du Bengale qui double la mise pour ici United. Il a fait une spéciale Kha'Nix, c'est-à-dire tirer dans un joueur pour marquer, vous allez voir. Hop là, la spéciale Kha'Nix. Attention avec le coup franc pour Wolverhampton, parfait sur Cavalero, pour Boutverson c'est bien joué. Ouh lolo lolo, qu'est-ce que c'était bien joué cette petite combinaison. La défense qui dormait. On va faire nos premiers changements. Kieran Lee qui va être remplacé par Lucas Toussard. Le jeune joueur lyonnais. Avec le corner pour Wolverhampton, Cavalero, c'est dégagé, ça revient, Eldar Costa. Qui veut peut-être frapper Eldar Costa, il avance, il frappe. Ouh, ça passe au-dessus pour Eldar Costa. Ça passe au-dessus. Et je vais devoir faire une pause, je reviens.
trop heureux parce qu'on m'appelle forcément. Je fais une vidéo, je commence 4 minutes après. On m'a pas fiché de la journée, on m'appelle. Spécial. J'ai l'impression que c'est millimétré là-dessus. Attention, avec l'action pour Wolverhampton, du coup je suis plus du tout dedans. Le centre, non, c'est récupéré par Westwood. Qui dégage, loin devant. C'est récupéré par Cody, Price. Qui trouve Cavallero. On fait quand même un bon match de merde, hein, même si on gagne 2-0. Cavallero, qui est en position côté droit, il centre, c'est contré. Et Lucas Toussard court. Non, c'est Canix qui va finalement. Aboula. Il y en a Canix. Ah bah, vers Pakel, ça revient sur Boschilia. Boschilia, Marvin. Marvin qui accélère. Il trouve Pakel. Pakel qui contrôle en pivot. Pakel qui perd la balle. Ça revient sur Marvin. Marvin qui passe. Marvin qui frappe. Oh, quel but de Marvin! Il a trouvé la lucarne. 3-0 pour ici United. Magnifique. Magnifique frappe. Le beau contrôle. Et là, l'accélération. Splat! Magnifique. Magnifique frappe de Marvin. Hop, ça fait 3-0, donc on fait un match pas fou, mais au moins on mène. Enfin, on mène, on les éclate même. Comme quoi, moins on a d'occasion, plus on domine apparemment. Hop, et c'est terminé. Victoire 3-0 d'ici United à Wolverhampton. On commence à tourner à l'extérieur, ça change vraiment d'habitude. Bassin qui a marqué un but. Exceptionnel. Paul qui n'a pas marqué ni fait d'assist, ça c'est très très rare. Ils ont 20 frappes, on a 17, on gagne 3-0. Comme quoi, moins t'as de mérite, plus tu gagnes. au classement par rapport au 3. Ouais, j'ai dit le classement le fera le point en fin de vidéo. Ça, je m'en bats les couilles. Voilà, merci. Et bah, malgré tout, j'en parle un petit peu. Je vois qu'on commence à faire l'écart avec le quatrième. Le peloton de tête, c'est toujours le même. J'ai vu un mec qui a dit on en fait un peu trop sur Bing là dans le truc, il parle mal lui. Attends, je crois que je l'ai vu où. On a fait un peu trop à propos de Bing, elle était bon sans être géniale. Est-ce qu'on va arrêter d'en rajouter à propos de Bing? Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent que Bing il a fait un très bon match? Marvin qui se fait tellement clasher par les supporters, c'est terrible. Il a vraiment une communauté de haters. Alors, des négociations pour une prolongation de contrat proposées par DC United. Le président DC United vous invite à des négociations portant sur une éventuelle prolongation de votre contrat. Avant que les négociations ne débutent, les dirigeants souhaitent vous donner l'occasion de proposer des modifications à la direction sur le club. Si les gens sont acceptés, ils seront mis en place et le contrat prolongé. Les gens tiennent à nous informer qu'ils ont le droit de modifier le but du transfert du salaire sans préavis. La direction convenue pour le club est la suivante. Objectif en championnat, atteindre les barrages. Budget transfert 625 000 euros. Budget salaire 2,55 millions par mois. Jeu en football offensif. Aucune demande des dirigeants. Ok. Offre de nouveaux contrats pour Ferracci. Je vais toucher 100 000 par mois. Et j'aurai un contrat jusqu'en 2019. Bah, c'est bien ça, les gars. Je confirme que je serai entraîneur du club. Magnifique. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Pardon, je continue. Bon, là on joue contre le 22ème, on est à domicile. Normalement, c'est des free points. Mais à chaque fois que j'ai dit free points, on s'est fait niquer. Alors, Ferracci va venir pour United. Bing élu joueur du mois.
du championnat en plus, mais pas de notre équipe. Bravo à toi. 3 matchs disputés, 4 buts, notre moyenne 8,50. Exceptionnel, Marvin. Entraîneur du mois, c'est pour moi. C'est plaisir. Et on arrive en décembre. À partir de janvier, je vais pouvoir commencer à signer des joueurs sans contrat. Ça va être beau jeu. Bing a vraiment haussé son niveau de jeu dernièrement. Qu'est-ce que t'es chaud, Marvin? Il y a un truc que je voulais voir dans le jeu, c'était. Non, pas là. Ah, c'est là-haut. Merde, j'ai écrit Rashford. Oh, ça va être bon comme tous les joueurs. Rashford, il coûte 37 millions 5. Il joue pas du tout à United ou quoi? What the fuck? Coupe Euro pour la division anglaise. Il fait que des entrées. Et si United ils en veulent pas, ils me le prêtent. Hein. Après, moi j'ai déjà bassé mon épaule donc ça me servirait pas à grand chose. Mais sinon, ça pourrait être ça. Putain, mais regardez la gueule de merde que j'ai. Vraiment magnifique. Bon, là. Là, je veux que. Je veux qu'on marque beaucoup de buts. Ça me ferait plaisir. Hop, toujours la sauvegarde au cas où il y en a aucun. Ah, j'arrive pas à parler. Au cas où il y en a un de vous qui se pète, je suis moi. C'est pour ça que je sauvegarde à chaque fois. C'est juste pour éviter les blessures. J'espère qu'il n'y aura jamais une grave blessure parce que, enfin, recommencer un match, recommencer une sauvegarde, juste pour une blessure, c'est casse-couille. Pour l'instant, on a été épargné. Hop, Barry Banane, tu es de retour, c'est bien ça. Mais Kirani, je l'aime bien aussi. McGonan, tu sors, on s'en bat les couilles de toi. C'est parti! Yep, il y a Wigan qui a joué. Et Wigan a perdu. Et si on gagne, on passe devant Wigan. Et si Norwich aussi, mais bon, ils sont contre Brentford, ça m'étonnerait. Après, il y a pire qu'eux, il y a Rotterdam. Leeds, ils sont. Ah, Leeds, ils ont remonté au classement. Ils étaient super mal à un moment. Ils ont dû bien enchaîner. Allez, c'est parti. Voilà, compo cancer, 4-4-2 à plat. Allez. La victoire, s'il vous plaît, les amis. Une belle victoire. C'est parti ici au Nightmare Stadium pour ce match entre East United et j'ai une mémoire de merde. Je sais plus c'est contre qui qu'on joue. Mais c'est pas grave. Canix qui centre, ça revient sur Marvin. Oh, c'est bien tiré ça. Marvin pour O'Grady. O'Grady, Pakel, la frappe de Pakel. La frappe de Banane! Et l'ouverture du score de Banane pour East United. Il marque son premier but de la saison. Il a profité de ce tir contré pour reprendre. Le gardien est battu. Beau sang-froid de Marvin O'Grady quand même là-dessus. Paul qui tire, c'est contré. Et Banane qui finit tranquillement. Attention avec Beckford. Beckford sur le côté droit. Qui perd la balle au profit d'Aïdara. Aïdara, magnifique transmission là pour Bastien. Bastien Canix, ça va vite. Canix qui peut remettre à Bastien. Non, il perd la balle au profit de Maffeo. Maffeo qui envoie en profondeur sur Beckford. Beckford. Beckford qui va centrer, la frappe, et l'égalisation de Conan Doyle! L'inspecteur qui égalise, le détective Conan Doyle! Qui égalise pour Beckford! Ah non, Beckford c'est l'ailier, je suis con. Comment s'appelle ce club de merde là? Preston, je crois. Je crois que c'est Preston. Avec Avoula. Avoula qui perd la balle, ça revient vers Banane, pour Aïdara, Aïdara, Bouchilia. Pour Bastien, Bastien qui temporise un petit peu. Magnifique pal pour Canix, la frappe de Canix! Le deuxième but de ici United! Il est signé! Canix! Dixième but de la saison! C'est le troisième joueur de vous quatre à atteindre les 10 buts. Ah quoi? Attends, Marvin a 8 ou 10? Non, Marvin a 10 aussi, il avait mis le doublé, donc c'est le dernier joueur, c'est le seul qui manquait à 10 buts. Bon, le gardien qui a pas été fou, mais on prend. 2-1 pour ici United. Westwood qui dégage, loin devant. Alors Bastien, Bastien pour Canix. Qui remise? Paul, belle intervention de John Fonn, McGeady. Je pense qu'il y a 20 000 joueurs qui s'appellent McGeady en Angleterre. Beckford. En profondeur, c'est parfait. Conan Doyle, le détective. La parade de Westwood. Devant Conan Doyle. Gallagher. Le corner s'est dégagé tranquillement. On peut accélérer, je pense. Hop. Voilà.
On arrive quasiment à la mi-temps. Ah, ils ont compté la passe décisive à Paul sur le tir contré. Hein. Paul qui gonfle ses stats de manière très illégale. Par contre, là, faudrait que je se réveille parce que quand tu mets en lent, c'est en lent pour quand il y a des cartons en bas là aussi sur la barre. C'est terrible. Alors, 2-1, on peut faire largement mieux. On peut faire largement mieux, je pense. On n'a pas eu tant d'occasions que ça. Appel engagement, ouais, il va rien se passer, c'est comme tous les engagements. Putain, on a un carton jaune sur le défenseur central et le milieu, j'aime pas trop ça. Haïdara qui centre, c'est dégagé. Ça vient vers Marvin, qui va peut-être mettre en retrait sur voilà, Walker Peters, qui va centrer la spéciale. Et la spéciale! Kyle Walker pour son père KNX! La spéciale qui marche depuis le début de la saison. Noodles et son fils Kyle Walker, quelle entente! Entre Kyle et Noodles. J'en étais sûr quand j'ai eu le temps de partir que ça allait finir sur Noodles. Magnifique centre et là. Spoum! La balle pleine lucarne. 3 pour ici United dans ce match. Doublé de Noodles. Attention avec le corner pour Gallagher. C'est bien tiré, c'est dégagé parfaitement. Allez, cours, 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 cours. Ouh là là là, McGeady qui a paniqué. McGeady qui a paniqué, c'est terrible pour lui. Bah du coup, il n'y a pas eu d'occasion, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ce moment fort. Ce qui n'était pas très fort comme moment. On va faire des petits remplacements. Kyle Walker, il est fatigué. On va mettre Liam. Bastien est fatigué. Et je retire Barry Bannan pour pas qu'il prenne un rouge. Là, on fait les trois changements d'un coup, au moins c'est réglé. Allez, une petite occasion, on dirait pas non. Ouais, Forestieri qui s'est blessé alors qu'il vient de rentrer, c'est terrible. Le corner de KNX, ça Kieran Lee, ça revient. O'Grady, O'Grady qui vient de là-bas, ça Palmer, la frappe de Palmer! Qui fait une spéciale KNX! Et qui fait marquer contre son camp un joueur en tirant dedans. La spéciale KNX. O'Grady qui a la passe ici. Ah bah non, elle a pas passé ici vu que c'est un contre son camp du coup. C'est un peu sévère de compter contre son camp pour ça. C'est un peu sévère. Là j'ai pas eu l'action, j'étais en train de régler le moment fort. Et on va s'arrêter là. 4 buts 1 pour East United, victoire très très facile. Doublé de Noodles. Paul, dommage de suite sans marquer, hein, tu te relâches. Et bah c'est vrai qu'il y a aussi une passe décisive d'ailleurs, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Ah bah si, c'est sur le but de Noodles. Bien joué à vous. Hop, 4-1. Et les gars, on est premier. On est premier pour la première fois de la saison, je crois. À part peut-être la première ou deuxième journée. Et là, l'écart, ouais, 9 points d'avance sur le 7ème. Ça commence à sentir bon. Après, il reste beaucoup de matchs. On a 48 buts marqués en 19 matchs, ça fait plaisir. 12-3-4. On a toujours 26 buts encaissés, mais c'est un petit peu mieux en ce moment. Mahouz envoie ici United vers le sommet. Forestieri blessé. C'est pas fou quand même, je suis rentré genre 20 minutes, il se blesse. Ça, je m'en bats les couilles. Autre interview de merde. Sauvegarder comme d'hab pour pas qu'il y ait de blessés le temps qu'on arrive jusqu'au match. Paul qui m'envoie des vidéos trisomiques. Pardon. Il respecte rien. Des vidéos avec un trisomique qui fait crasher un avion et tout. T'es vraiment un bâtard. Ah, t'as vu Paul, t'as beau avoir des bonnes stats. Le mec qui a été élu le plus de fois joueur du match de notre équipe, c'est Marvin. Vraiment trop chaud, Marvin. Trop trop chaud. L'équipe du Sénégal probablement sans Sougou. Effectivement, il joue pas un match chez nous donc. Le pauvre Moutou Sougou. Je me demandais comment se compte l'autre coupe parce qu'il y a deux coupes en Angleterre aussi. Liam Palmer blessé, il a un rhume. Aïe 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 aïe. On va le mettre chez lui pour pas qu'il contamine l'effectif. Ah bah attendez dedans là. On est dedans. Allez, on se fait un petit tirage comme ça. Huddersfield, je veux bien. Oxford, je veux bien. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Ça, je veux pas. Ça, je veux bien. Non, ça je veux pas. Je veux bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, bon, je vois Blackburn.
Sinon, toujours Jason Roberts, ça étonnerait. Non, ils ont Jason Steele maintenant. Excusez-moi, les gars. Je connais aucun joueur dans leur équipe, même pas de nom. Danny Graham, ça me dit quelque chose, mais il y a tellement de Graham dans le monde, parce qu'il y a plus de gens que ce soit un acteur qu'un qu'un footballeur. Hop, du coup, je vais avancer. Rapport de prêt pour ici United. Le joueur qu'on a prêté a mis 2 buts, 3 passes décisives en 14 matchs. Et quel poste? Il est milieu droit? Ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais c'est pas fou. Alors, on joue à Reading, puis on enchaîne sur Barnsley, qui est 23ème. Là, maintenant, on a le droit à l'erreur, mais ce serait bien qu'on continue plutôt. On a perdu que 2-1 contre Tottenham U18, hein. On a des bons jeunes quand même apparemment. Faut savoir un truc, c'est que dans le jeu, les jeunes sont créés assez à la... Enfin, au début c'est les classiques, mais après il y a des trucs qui s'appellent des régènes. C'est des joueurs qui sont générés aléatoirement par le jeu, et tu peux avoir des pépites à tout moment. C'est comme par exemple, je peux mettre des... Ça s'appelle comment? Des recruteurs. Je peux choisir la zone où ils veulent aller, par exemple Brésil, Argentine, etc. Et je peux leur dire de me chercher que les pépites, genre les joueurs à 5 étoiles de potentiel, et c'est comme ça que tu tombes sur les regen abusés, genre les nouveaux messieurs en devenir, alors que c'est complètement créé par le jeu. Hop, hop, hop. Forestieri, tu bouges. Bah tiens, on va mettre Mudusugu dans l'équipe, ça va être marrant. Le screamer, Mudusugu. Mudu. Truc que je comprends pas par contre. Apparemment, le jeu voit plus Paul comme un milieu droit qu'un buteur. Hein. Parce que je me disais pourquoi Paul? Bah, vous voyez, ça c'est le rond vert, c'est là où t'exploites au mieux tes capacités. Enfin, c'est ton poste préféré, plus simplement. C'est pas forcément sur où t'exploites le mieux tes capacités. Et apparemment Paul il préfère être meneur de jeu avancé sur l'aile droite, ce qui est bizarre. Parce que j'avais mis à Paul la particularité de pouvoir jouer à droite, c'était pour dépanner au cas où Marvin se pétait. Mais du coup il est pas considéré comme attaquant pur. Même si bon, au final il fait son taf donc ça changera pas grand chose mais. Je vais voir si je peux te mettre en entraînement. Non je peux pas aller dans l'entraînement, attends, je vais voir. Entraînement. Voilà, en fait je vais te faire un entraînement comme buteur, comme ça c'est là-dessus que ton joueur il va axer ses stats. Voililà. Parce que ça m'embête un petit peu, parce que tu vois tout le reste, eux ils sont en vert, ils sont parfaitement à leur poste, et toi non. T'étais pas au potentiel libéré, Polo. J'ai eu des arrêts qui pour empêcher ta puissance de se déferler sur tes adversaires. Alors. C'est parti à Reading. Voilà qui récupérait Vanderberg. Swift. Swift. Pour Rakels. Rakels qui temporise un peu, il va peut-être frapper du gauche. Oui, il est passé. Rakels qui frappe. Oulololololo. Quel but de Rakels. Quel but de Rakels. Aïe aïe aïe, ça fait mal au cul ça. La défense totalement apathique et derrière la frappe qu'il lâche est assez sale. C'est qui les défenseurs qui sont chiés dessus là? Lise. Ouh là là. La barre rentrante. Strip pour nous. Dégagement. Alabzi. Qui passe son Daïdara. Kha'Nix. Qui accélère. Il veut peut-être transmettre à Paul. Non, il perd la balle, Kha'Nix. Il faut lâcher plus vite le ballon, mon ami. Obita. Qui passe sur le côté gauche. Il accélère. Belle récupération, Walker Peters, mauvaise relance, Quinn qui lâche son ulti, Rakels, le dieu du jeu, Rakels qui frappe. Ah ouais, Rakels sert clairement au-dessus des autres, hein. Je pense que c'est le Messi de Football Manager. Dégagement, Halabzi, Halabzi, Mr. Shine, Halabzi, qui dégage directement sur Bing.
Et on a, par contre, on n'arrive vraiment pas à enchaîner deux passes. Même pas à dévier un bond de la tête, c'est terrible. Avec Rekkles, le dieu, Swift, Queen, Swift, Rekkles the God, Obita. Vers Queen, Queen qui passe, Queen qui frappe, et elle arrête Westwood. On est inexistant. On est en train de se faire bouffer. Oh, c'est terrible. Le coup franc peut-être pour Swift. Swift qui tire. Ouh là là, Westwood qui relâche. Oh, ah, cette mi-temps est terrible. C'est une de nos pires mi-temps de la saison, je crois. Je vais voir autre chose en seconde mi-temps. J'espère que vous avez compris, les amis. Le coup franc de Swift, la tête. C'est récupéré par Banane. Banane, peut-être la contre-attaque. Organisée par East United. Banane qui prend un petit peu trop son temps et qui lance une praline devant. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est dé... Attends, attends, je te sors. Nique ta mère. Banane, tu sors. Récupération. Banane encore. Banane pour Westwood. Westwood pour Lise. Lise. Banane. Banane, arrête de jouer en arrière. De toute façon, tu vas sortir. Du coup, ça fait un gros dégagement foireux. On perd Laval. C'est terrible. Le niveau de jeu est terrible. Behrens. Et en plus, ça va faire but. Parce que je le sens là, ça va faire but sur le centre. Swift. Queen, la frappe de Queen, le poteau, ça revient. Ouh là là là, quelle occasion. Mais je pense que la sortie de Banane va faire du bien au milieu de terrain. Parce qu'il est vraiment dégueulasse dans ce match. On va faire un changement tactique. On va faire un changement tactique. Si tu vas passer axial. Clac comme ça. Non, comme ça en fait. Voilà. On va finir le match de manière très offensive en 4-1-3-2. On a vraiment pas d'occasion dans ce match. Bochilia qui dégage loin devant. Et ils perdent encore le ballon. Mais c'est incroyable. On est inexistant. C'est le pire match de l'histoire. Tellement inexistant que j'ai fait tout passer vite. Ce match m'énerve. Swift. Peut-être la 13ème occasion consécutive pour Reading. Oui, c'est la 13ème occasion consécutive à 0. McCleary qui centre le poteau. Voilà, ce match est catastrophique. Bouchia, tu vas sortir aussi. En fait, non, tu vas pas sortir. Nique sa mère. Nique sa mère. Hop. Créer sur nombre. Est-ce qu'on va avoir une occasion dans le match? Peut-être un tir. Non, je ne sais pas. Non, c'est fini. C'est terminé. Défaite 1-0. Alors là, c'est le pire match de tous les temps. On a eu zéro occasion en 93 minutes. Première place perdue pour le United. Bah ouais, bah en faisant ce genre de match, c'est sûr que ça va pas aller. Prochain match, on a domicile contre Barnsley. Ce serait bien que là, on se bouge le cul. Parce que là, ce match m'a blasé. Les matchs à zéro occasion, comment je les supporte pas? On s'est vraiment fait bouffer 93 minutes consécutives. Genre même une équipe amateur, normalement censée se bouger un petit peu le cul. Genre même à Barcelone, t'as moyen de faire un petit tir quand même. Là, on a vraiment pas existé du match. C'est vraiment terrible. Ce match est incroyable. Hop, voilà, j'avançais vite, comme ça. Voilà. Là, vous êtes à me changer les idées, les gars. Vous faites un gros match, merci, y a pas de problème. Paul, faudrait que tu rescores aussi un petit peu parce que t'es à 0 but en 3 matchs là. Tu me déçois, Paul. Moi qui pensais que t'étais un grand joueur. Je suis un petit peu beaucoup déçu, quoi. Not a little pit. Du coup, ça fait 10 pour Marvin, 11 pour Noodles, 15 pour Paul, 10 pour Bastien. Ça commence à se rééquilibrer un petit peu. C'est pas mal. Alors hop. Là, les gars, j'ai une réponse. C'est parti.
Avec Dania qui perd la balle pour Banane. Banane, Paquel. Qui décale vers Bastien, qui remet de la tête sur Paul. C'est bien joué ça, Bastien et Paul. Pour Kha'Nix, l'action est belle! L'action est belle! Ça fait but! Le but de Nounas Mahous, 12e but de la saison. Très bien vu de la part de Paul Paquel, comme a dit la barre du bas. Quelle action! Magnifique, Bastien et Paul. Qui ont fait la moitié du travail là-dessus, même les trois quarts. Et la Nounas. Frappe du gauche, petit filet droit. C'est beau. Le corner pour Kha'Nix. C'est dégagé, Amil. Le ballon en profondeur pour Armstrong. Armstrong qui perd la balle, bien joué Walker. Qui met un long ballon à l'épaule au pressing. Le pressing, ça continue. Voilà, bien joué, récupération de Banane. Banane pour Marvin. Marvin qui décale Paul. Paul qui est récupéré. Ouh là 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 là! Paul qui est récupéré, ça va peut-être coûter cher à l'équipe. Watkins qui frappe! Oh le poteau! Le poteau pour ici. Pour ici, United. Qu'est-ce que je dis? Le poteau qui sauve ici, United. Barnes qui manque de réussite là-dessus. Aïdara. Kha'Nix, c'est récupéré par Scowen. Scowen, Hurtlane, Kent. La balle en profondeur. O'Grady. O'Grady. Fais pas n'importe quoi. Lis qui dégage loin devant. Sur Kha'Nix, voilà, ça c'est le truc que je déteste. On veut pas conserver le ballon, on fait des longs ballons devant, c'est dégueulasse. Quasiment tous les buts qu'on prend, c'est une perte de balle sur un ballon long. La frappe de loin, ouais, là c'était un peu n'importe quoi. Kent qui s'est un peu enflammé, s'est pris pour Superman. Barry Bannan semble blessé, une contusion à la tête. Tant pis pour lui, écoute. Ça, on a des problèmes mentaux, ce mec, ça fait un moment que je le dis. Aïdara, Banane. Qui est contré. Oh, putain, mais il est terrible ce joueur. Il est terrible. C'est le pire. Non, ce mec-là va plus jouer un seul match de la saison. Je vais le sortir. Tiens, punition. Barry Banane, tu sors. Hop, on va mettre Kieran Lee. Scowen. Armstrong. Récupération d'O'Grady. Pour Paul. Bastien. Magnifique balle de Bastien. Pour Marvin. Marvin sur le côté droit. Marvin qui frappe. Ah, Marvin. C'était pas la meilleure solution, ça, je pense. Le pointard du gauche à droite. Kha'Nix pour le corner, c'est tiré loin devant. C'est dégagé tranquillement. Ça ne donnera rien. Ah, il y avait mieux à faire, Marvin, là-dessus, si tu veux mon avis. La touche pour Barnsley, la tête. Ouh, le sauvetage sur la ligne. Ou plutôt, sauvetage d'un de leurs joueurs. Kha'Nix qui centre, le corner. Ça revient, Marvin qui dit la tête. Boschilia qui frappe. Et la parade du gardien. Il y a des occasions dans ce match, mais ça manque cruellement de réalisme pour les deux équipes. La contre-attaque. Et non, Walker Peter qui est là. Il va tellement vite qu'il se dépasse sa propre vitesse. Il va plus vite que son ombre. On va encore faire mieux, largement. Parce que là, on commence à être quand même pas mal contre le 22e. Ouyan. Ouryan qui accélère, Ouryan qui accélère, Ouryan qui frappe. Faut vraiment que notre défense arrête de se faire dribbler par des no-name, ce serait pas mal. Hop. Là, nos derniers matchs, je les aime pas trop. On a bien enchaîné, et là c'est de plus en plus dur. Ouryan pour le corner. C'est dégagé par Marvin, ça revient. Encore une fois sur Ouryan, Ouryan qui centre. La frappe et la parade du gardien. C'est très très compliqué ce match. Mousias qui est remplacé par Mbappé. On va passer en contre, on va fermer le jeu un peu. Même si on est à domicile. Qu'est-ce qui se passe? Penalty, d'accord, penalty. Alors là, ils ont tiré un coup franc, penalty. Et la parade de Westwood. Ah, notre match est pas fou, hein. Boschilia. Boschilia, Kieran Lee. Kieran Lee. La faute de James Bree qui a su en prendre un carton. Quelle qu'elle avait été la couleur. Et c'est le rouge, je le sentais. Le rouge pour James Bree sur ce tacle assassin. C'est vraiment terrible. On va pas faire dernier changement. Bastien, t'as 65%, c'est terrible.
mais on n'a pas d'attaquant en remplaçant, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est Sugu qui a remplacé Marvin. Le premier match pour Moudou. Moudou Sugu. Walker. Bouchilia. Bouchilia. Oh là là, qu'est-ce qu'on joue mal! Qu'est-ce qu'on joue mal! Même en seconde 10, ça ressemble à rien notre jeu. Balle au fondeur, Bradshaw, Bradshaw qui frappe, ça passe à côté. Mais on est dominé à domicile par l'avant-dernier à 11 contre 10. C'est vraiment terrible. O'Grady, long ballon devant, vers Bastien. Qui perd le duel de la tête, ça revient sur Aïdara. Pour Bouchilia. Bouchilia qui décale parfaitement Walker. Allez Walker, fais-nous son total secret. Allez Walker, allez Kyle. Le centre de Kyle, c'est contré. Ça revient sur Bouchilia. Qui décale pour Bastien. Bastien en pivot, la frappe. Ah, c'est dégueulasse. Ça manque de football. Allez Moudou. Moudou, œil de verre. L'œil de verre. Oui Moudou. Bouchilia. Bouchilia pour Pakel. Allez, lâchez une vraie frappe. Allez Bastien, la frappe de Bastien. Oui! Le 2-0 pour ici United. Bastien Voula sur cette passe de Paul Pakel. Paul Pakel qui avait trop d'avance au classement des buteurs et qui décide de se transformer en passeur dans cette vidéo. La frappe de Bastien, le 2-0. Attention, avec peut-être une contre-attaque. Bastien. Qui lance loin devant pour Paul. Allez Paul, ton premier but il est là, Polo, dans cette vidéo. Allez Polo! Polo, vas-y! Polo qui temporise, il va peut-être centrer finalement. Il remet en retrait Sougou, le centre de Sougou. Ça revient Bouchilia, la frappe de Bouchilia! Le but de Bouchilia! 3-0 pour AC United! Cette fois c'est fait, ils vont s'imposer! Un résultat qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre, mais un résultat qui satisfait. Le gardien qui part à la pêche au moule et qui derrière est trop court. Ah, peut-être une réaction, mais je pense que c'est fini. Oui, c'est terminé. Victoire 3-0 d'ici United contre Barnsley. Et ça va peut-être nous permettre, voilà. Ah non, toujours pas la première place, mais de reprendre la deuxième. Y a un truc que je me demande, c'est. Ah, Aboulin en grande forme. C'est Bassin qui se réveille enfin. Un match 8 de l'attaque en pivot qui régnait dans les airs et posait de nombreux problèmes à la défense adverse. Pas bien joué ça, Bastien. Juste regarder le calendrier. Ouais, merde. On a joué contre le Wolves. Donc on a 4 matchs. Allez, on va faire le dernier. Allez, on fait le dernier. Vu que c'est dans 4 jours. On va s'arrêter là. On joue contre le dernier à domicile. Là, il y a tout pour se mettre en confiance, quoi. On va regarder un peu le résultat externe, mais ça doit pas être fameux, quoi. Je pense que ce n'est pas fou en face. Alors, compétition. Merde, ils sont tellement bas que j'arrive pas à les choper. Avec 15 défaites, comme ils ont pris du 5-1 par Norwich. Ils ont gagné contre Burton, Nottingham Forest et Brentford. Et le pire, c'est que Brentford nous a battus, je crois. Et non, là, normalement, c'est du free blood, là. Alors. C'est pas grave, ça. On gagne, on finit sur une belle victoire. Et ça fera une bonne vidéo où on aura connu la place de leader pendant un moment. Je sais même plus contre qui on joue en coupe. J'ai regardé vite fait. Blackburn. C'est pas le match plus facile quand même. Enfin, moi je préfère jouer à domicile de toute façon en général, qu'importe l'équipe. Vous allez dire que c'est logique. Ben par contre tu ne joues plus, j'en ai marre de toi. Je vais mettre Kieran Lee. Je vous jure, Banane, il m'a saoulé le joueur. Je crois qu'il coûte 13 millions en plus. Non, il coûte 13 millions, je le revends. Attends, j'ai vérifié, mais s'il coûte 13 millions, je le revends. J'achète Kyle Walker à la place. J'achète un bon milieu de terrain. Je vais regarder. 13 millions. What the fuck? Kearney, 9 millions 25 000 aussi. Et Bouchilia. Après Bouchilia, je crois que c'est le meilleur.
Il a beau avoir des moins bonnes stats, être plus jeune, je trouve qu'il est meilleur qu'eux, quoi. Ah, 7-28 de forme. Bah ouais, gars. 7-0-2, bon allez. Je vais être gentil. Par contre, c'est quoi ton poste préféré? C'est... Meneur de jeu avancé, soutien, ok. Ok. Allez, c'est parti. J'espère qu'on met un festival. Enfin, bon après qu'on gagne, c'est l'important, mais là... Là c'est qu'on des mecs à 12 points, on n'arrive pas avec 42 points, on a 30 points de plus qu'eux, on n'arrive pas à faire la différence, je comprends pas. Personnalité, motivé, c'est terminé, pas mal. Y a un truc qui est bizarre, c'est que vous voyez pas ma souris quand je rec. Mais après des fois c'est enfin, c'est cool en soi, mais des fois ça peut être chiant, je pense, si je vais vous montrer un truc particulier. En sens début de match, c'est pas fou. Il se passe rien. Apparemment, quand on joue contre les derniers, on n'a pas envie de faire du spectacle. La longue touche, Hadford, c'est dégagé. Boshilla pour Bastien. Bastien. Magnifique contrôle, Bastien. C'est bien joué, ça, Bastien. C'est bien joué. Magnifique passe pour Paul. Bien joué, Bastien. Allez, Polo. Polo qui frappe. Oh, s'arrêter par le gardien. Aïe, 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 aïe. Paul qui ne veut pas marquer dans cette vidéo. Alors que Bastien, il fait un super taf. Contre Bastien, ton joueur, il est fatigué, la vache. 77% à la mi-temps. Après le repos. Voilà, je peux pas me satisfaire du spectacle. On est contre le dernier, les gars. Ouais, il y a un problème, là. On n'a pas d'occasion. Pour le dernier match, c'est quand même triste. Le corner de KNX, vers Banane, ça revient sur Bastien. Bastien, qui est taclé. Ah, ça sent le rouge là. Là, ça sent le rouge. Ouais, deuxième jaune, c'est le rouge. Et on finira à un de moins. Et on n'arrive quand même pas à avoir des occasions. Qu'est-ce que c'est que ces matchs en ce moment? Mbappé qui rentre. J'ai toujours pas de buteur dans l'équipe en remplaçant. C'est terrible. Allez, gars, faut se bouger. Ah non, match nul à domicile contre le dernier. Ah ouais, avec zéro occasion. Ouh lolo lolo lolo, le cancer ce match. Ouh yo 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 yo. Ah bah ça confirme tous nos derniers matchs quoi, en fait au final. Ça confirme tous nos derniers matchs. On est à l'arrache et là on est en train de perdre des points contre le 24e à domicile. Il y a 15 équipes sur 22 matchs qu'on pas réussi à qu'on les ont battus. On fait partie des 7 qui les battent pas. Pas mal ça. Et le pire, c'est que malgré ça, on prend la tête du classement et on finit la vidéo à la première place malgré un match inexistant. Hop, du coup, on va s'arrêter là. Je vais quand même vous montrer le classement. On a 22 journées, donc là, on est quasiment pile à mi-saison. Phase, voilà. On a 43 points. Égalité avec le deuxième et le troisième. C'est vraiment beau. Quatrième à 40 points. Ils ont pas mal remonté aussi. Et pour les barrages, le septième à 35 points. Septième donc Cardiff. Ensuite, pour ce qui est des classements à domicile, on est premier. 8 victoires d'une défaite. Donc vous vous rendez compte, on est à domicile, on est une machine de guerre. Mais on a fait match nul contre le dernier. Et à l'extérieur. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 8ème, donc ça confirme ce que je pensais, avec ça on n'est pas ouf. Mais après c'est pas dégueu non plus, 5 victoires, 2, 4 défaites, mais c'est pas exceptionnel quoi. Et pour le reste, on va refaire un petit bilan. Je vais dire terrain du c'est relou. Compétition pour les joueurs. En classement des buteurs, Paul, tu t'es fait bouffer par Poulter, l'attaquant de Queens Park Rangers, qui a 16 buts. Au niveau de la note moyenne, putain, c'est Tom Lees, notre défenseur central, qui est premier du championnat. Paul, tu t'es aussi fait bouffer, tu vois. Ta petite régression. Possessif, par contre, t'as un monstre à 13 passes. Par contre, au but, j'ai bien montré les buts. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus serré, même chez nous.
Attendez, faut que je réfléchisse. Voilà. Placement débuteur, d'ailleurs, Bastien est revenu à 10. Bastien se rapproche un petit peu. Je voulais passeur aussi. Passeur Kyle 7, Paul 13. Et merde. Un truc en fait, c'est qu'en buteur, normalement, tu peux voir tout le classement. J'aimerais voir tout le classement, moi. Ah, ok, c'est là. Hop, but. Noodles et Marvin, vous êtes à 9. C'est pas encore au début en championnat, c'est bien ce que je pensais. Bastien 10, Paul 13. Donc là, c'est beaucoup plus serré qu'avant. Au niveau des passes, Paul 13, Kyle 7, Marvin Noodles 6. Est-ce qu'il y a dans le stade général? Je vais vous montrer pour tout le monde. Paul 13 buts, 13 assists, 21 matchs. Ça descend un petit peu, mais en assist, t'as pas mal géré. Noodles 9 buts, 6 passes. En but, t'as pas mal scoré là dans cette vidéo. Bastien 10 buts, une passe. Bastien, t'as scoré aussi un petit peu. Et Marvin, 9 buts, 6 passes. Voilà. Du coup, je vais arrêter la vidéo là-dessus, les amis. Je vous dis à la prochaine, comme d'hab. Salut!